Hey Frenchies, alors bienvenue ou re-bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui nous allons manger des plats de fruits de mer. Là il y a des bulots, des langoustines, des crevettes, une sauce que maman a préparée avec de l'oignon. Et là des mini crevettes, des petites crevettes grises. Et nous avons des bols de riz pour manger avec ça. Mais d'abord nous allons commencer par faire les shoutouts. Parce qu'on sait que vous aimez les shoutouts et qu'on aime vous faire plaisir à faire les shoutouts. Premier shout-out pour... pour Koums du 9-1. Pour les besties du 77. Pour Hugo du 7-5. Pour Eliani et Cathy. Pour Anthony Bim. Pour Tessa de Marseille. Pour Sloane, Caroline, 974, Bouillard. Pour Noémie MNC et Wendy ANP 974, Bouillard. Pour Coralie de Cahors. Et en dernier, pour Gwenaëlle du Doubs. On vous aime tous très fort. Bon appétit. Bon appétit. J'ai commencé par manger un bulot, mais t'as pas pris la mayonnaise qui va avec, ma fille. Nous avons du riz là. Notre riz est juste là. C'est mon pot préféré de mayonnaise parce qu'il y en a beaucoup dedans. Ah ouais? Et je raffole de la mayonnaise. Je vais commencer par manger une crevette. Aaron, tu en veux? Aaron a déjà mangé, hein? Ça m'a mis de l'eau partout. Ah ouais? Ouais. Pourquoi ça a mis de l'eau partout? Aaron a déjà mangé. C'est la première fois que je mange ce de l'eau. Hein. Mmh. Maman! Mmh, mmh, mmh. Oui, tu en veux? Tu en veux? Là-haut. Ok. Là-haut. Alors il dit maman j'en veux. Alors est-ce que vous avez des histoires effrayantes à raconter? Non, on en a pas. Tiens, croque. Oh là là. Oh. Croque. Non. Il est encore vivant ou quoi? Comme ça. Vous le savez, quand j'ai la flemme d'ouvrir, d'enlever la coquille, je ne fais pas, je mange tout en entier. Regarde. Bah quoi? J'enlève ça ou quoi? Oui, c'est en haut. Mmh. Elle le voit aussi, c'est ça? Regarde, je te montre. Oh, j'arrive pas à l'enlever. Ah, si, c'est bon. Avant de le manger, tu me dis, hein, tu regardes. On a des bulots là. Est-ce que le bulot ça se mange? Regarde, là. Regarde. Tu enlèves le bulot. Voilà, bah moi j'ai le caca qui est resté dedans, donc c'est parfait. Moi aussi. Tu enlèves tout la partie du caca. Là? Toute la poche qui est en haut. Si tu vois une poche noire, tu l'enlèves. S'il n'y a pas de poche noire, c'est qu'elle est déjà enlevée. Il y a un petit peu de noir dessus. Ensuite, tu enlèves le truc dur qui est tout en haut. Ah. Ensuite, tu prends ton bulot, tu le trempes dans la mayonnaise. Je vais encore avoir des boutons, mais c'est pas grave. Tu le trempes dans la mayonnaise et... tu savoures. Un bon bulot, bien frais. Bah, c'est bon là. Là, même le haut là. C'est ça qu'il faut enlever. Tu l'as enlevé déjà le truc dur, c'est bon. Et le haut là. Ça se mange, ça. Mais je savais pas, moi. Pour nous essuyer, nous avons trouvé ces magnifiques petits essuie-tout. Aaron, il fait n'importe quoi là en vrai. Il a même pas faim en plus. Il a pas faim, il a déjà mangé. Ouais. Alors, nous avons acheté aujourd'hui des citrouilles à faire pour Halloween. C'est super. C'est carrément, c'est méga bon. La sauce là? Ouais, non, les bulots. Bah oui, c'est bon les bulots. La sauce, je l'ai pas encore mangé. Arrête de faire ma petite. Alors, ma fille. Ouais. Est-ce que tu sais en quoi tu voudrais te déguiser pour Halloween? Bah, comme là. Comme là? En squelette? Ouais, mais avec le bout de vampire en bas. Ça fera un vampire squelette. Ah, ok. Vampire moitié squelette. Trop bien. Il n'y a qu'une seule part. Du coup, on l'a coupé en deux. Ouais. On a pris un plateau à Auchan, un plateau de fruits de mer. Et il n'y avait qu'une seule part. J'aurais dû prendre un deuxième plateau. Mais bon, c'est pas grave. Je sais pas, t'as cru, tu sais rien. Tu trouves les deux, elles sont trop bonnes. Elles sont bonnes. Elles sont trop bonnes. Trempe un peu dans la sauce.
Oui, le bruit, ça fait du bruit. On a mis un truc d'Halloween derrière à la télé et Aaron dit que ça fait du bruit. Bah oui, ça fait du bruit. Mais ça fait du bien aux oreilles. Hein. Normalement, c'est pour s'endormir. Ça. Comme ça, tu mets des bruits. Bah là, il y a un fantôme qui apparaît là. Et là, il y a un épouvantail. C'est trop trop bon. Franchement, c'est trop bon. Ouais. Je regrette de ne pas avoir pris un deuxième plateau en vrai. Le crabe, il est tout défoncé. Moi, c'est normal, tu l'as découpé. Maman, Bah, il fallait que je le casse. Alors, ne le pousse pas comme ça, s'il te plaît. Alors. Ah, il est pas très bon le crabe là, par contre. Hein. Ah non, il est pas très très bon. On a pas dû le faire cuire. Je l'ai pas fait cuire, je l'ai juste chauffé un peu. Il est pas très très bon. Alors. Rien, moi tu manges. Meuf. Ouais. Meuf. Ouais. La dernière fois. De quoi? Il y a une femme. Ouais. Qui a dit. Elle a dit quoi? Imagine ce qu'elle a dit. Elle était nulle. Non. Ouais. La meuf, elle a dit, elle était en train de rentrer chez elle après le travail. Elle était dans sa voiture. Elle est passée par la forêt. Ouais. Et là, sur le bord de la route, sur le côté du bord de la route, genre il n'y a personne d'autre sur la route, c'était genre à 1h du matin, elle rentrait de chez elle parce qu'elle travaillait dans les trucs de restauration. Elle rentre chez elle, sur la route mon gars, sur le côté droit de la route, imagine ce qu'elle a vu. Elle a vu un voleur ou un démon comme ça, un truc comme ça. On va pire. Elle a vu. Elle a vu un truc bizarre qui ressemble à moitié à un loup ou à un humain, elle sait pas. Et il y avait une femme toute nue allongée par terre. Et le truc, il était en train de vouloir la bouffer. Elle a flippé sa race. Arrête. Elle a continué son chemin. Arrivée chez elle, elle a eu tellement peur, elle s'est mise direct sous la couette. Direct, hein, sous la couette, elle a fait la prière, elle s'est endormie. Et qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Après, c'est tout. Mais elle a flippé sa race. Moi aussi, je me serais barrée. Mais si elle sera pliée là. T'imagines, tu tombes en panne là? Meuf, imagine, tu tombes en panne en plein milieu de la forêt, la nuit, à 1h du matin, et tu vois des trucs bizarres. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je cours. Tu cours comment s'il y a des trucs bizarres? Là. Ben, je cours. Je fais à l'aide. Puis, s'il y a quelqu'un qui vient, je lui dis, est-ce que tu peux me rendre? Ah, mais si tu cries à l'aide, s'il y a des trucs bizarres, c'est des trucs bizarres, ils viennent sur toi. Hein. Ils viennent te voir. Ah oui. Si tu cries dans la forêt à l'aide, c'est comme ça que les méchants ou les trucs bizarres qui te cherchent, ils vont réussir à te trouver. Ils vont savoir où t'es. Ouais, parce que tu crées. On a des langoustines là. On va en avoir deux chacune. C'est chiant les langoustines parce que c'est tout petit. Genre, il n'y a que la petite queue là qui se mange. T'arraches la tête, il y a juste la petite queue là. On me dit. Méga longtemps que je n'ai pas mangé. Je sais plus, il s'est bouché. C'est trop chiant. Je trempais ça dans la mayonnaise. J'ai juste enlevé la tête. Et les pattes. Ah là là. Où est-ce qu'on met les déchets? Mais est-ce dans que... le coin de ton assiette là ici. Aaron, gna gna. Ah par contre les langoustines elles sont malades. Moi les langoustines je mange les pinces aussi. C'est trop mignon quand il parle comme avant. Quand il a commencé à dire des mots là, il fait comme quoi. C'est chiant parce qu'il n'y a pas beaucoup de chair dedans. C'est bon, c'est comme ça. Ouais. Non, les pâtes, je peux pas les manger. Voilà. Je trempe dans de la mayonnaise, je vais pas faire de mettre de la sauce dedans. Dans quoi? Mayonnaise. De toute façon, j'en prends plus moi. J'ai pas envie d'avoir plein de boutons. Hein.
Vous avez mangé avec un bulot, c'est bon. Bah oui. Regardez. Pourquoi tu lui fais peur comme ça là? Je reprends un bulot. Mon petit frère, c'est la mission des grandes sœurs. Hein. Alors... La mission des grandes sœurs, mon cul, ouais. Tu savais pas? Non, c'est pas du tout ça la mission. Hein. C'est quoi? J'ai été une grande sœur avant toi et je sais c'est quoi la mission. C'est quoi la mission? La mission, c'est de protéger. Alors, mademoiselle, quelque chose à dire? Oui. Toi, quoi? Une mission, c'est pas de protéger. C'est pour de protéger et de faire peur en même temps. Je savais pas. Regardez-moi cette petite crevette là. On peut pas très bien la voir. C'est magnifique. Moi, je prends une dernière crevette. Après, moi, je vous dis, bah, j'ai plus faim. Ah, moi aussi. Mais. Dis, vas-y, bouffe. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications. Toutes les notifications. On vous aime tous très fort. Bye.